RTCI nous réunit. L'UNESCO a officiellement avalisé aujourd'hui la demande qui lui a été présentée par la Tunisie pour l'inscription de la table de Jugurtha sur la liste du patrimoine mondial. L'UNESCO a en effet donné aujourd'hui son feu vert pour l'inscription préliminaire sur la liste du patrimoine mondial de cette table après avoir soigneusement examiné la requête tunisienne relative à une telle inscription et étudié à la loupe le dossier qui lui a été soumis par la Tunisie. Cette décision a été reçue comme une nouvelle très réjouissante pour toute la région du Kef où la table de Jugurtha culmine sur les hauteurs de Qalat Snen à 1200 mètres d'altitude et trône majestueusement sur les plaines de la région. Établie sur un plateau de 80 hectares, cette table a constitué, historiquement parlant, le dernier refuge pour le chef numide Jugurtha qui a donné son nom à cette table, après sa capture par les Romains et son transfert à Rome où il est décédé dans un cachot de la ville. L'inscription de ce monument va donc pouvoir ouvrir la voie à la découverte et la promotion du tourisme alternatif dans la région du Kef, qui espère qu'avec un tel acte, elle pourrait devenir une région à vocation touristique culturelle, d'autant plus qu'elle regorge d'autres monuments historiques et archéologiques de grande valeur patrimoniale.